Bonjour à toutes et à tous, c'est Miguel Toulon, j'espère que vous êtes en super forme pour ça, super. Les copains, nouvelle vidéo sur Brawl Stars, on va tout simplement tester en exclusivité le nouveau Brawler Doug. Voilà, ça fait excessivement plaisir, il n'est pas encore sorti, il sortira à peu près, enfin j'ai pas trop l'info, mais apparemment, de ce qu'ils ont dit dans le Brawl Talk, c'était début août, hein, donc c'est quand même dans un bon mois. Le Brawler a l'air trop fort, sans tir, ça ressemble un peu à une Jackie. Premier brawler qui ressuscite sans Brawl Star, les gars. Franchement, ça a l'air dingue. Je suis pas sûr que ce soit aujourd'hui qu'on s'en serve le mieux, mais en tout cas, on va pouvoir un petit peu le voir à l'œuvre, voir s'il reste fort quand même, hein, parce que ressusciter, c'est bien, mais si c'est une victime qui meurt 10 fois par game, ce sera pas très intéressant non plus. Donc ça fait plaisir. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez vraiment pas à m'exploser les pouces bleus, les copains. Vous avez kiffé les vidéos sur les prix stars, ça fait excessivement plaisir. On a débloqué des dingueries, ça régale. Franchement, la mise à jour, elle est exceptionnelle. Je rappelle aussi, pour ceux qui veulent essayer de gagner, le skin de Janet, le nouveau, que je vous afficherai à l'écran. Il y en a 6 à gagner, donc participez sous cette vidéo si vous voulez. Mettez-moi un commentaire, ce que vous pensez de Doug, peu importe. Voilà, j'essaierai de faire le maximum d'heureux. C'est Brawl Star qui régale en plus. Ça fait plaisir. Et nous, on part directement sur le brawler. C'est parti. Donc, notre petit Doug, brawler de soutien, brawler mythique, ça, on le savait déjà. On check vite fait la maîtrise, voir si le titre envoie du lourd ou pas. Petite saucisse, ouais, c'est timide, c'est timide. Ça donne pas tellement envie de se farmer la maîtrise pour le coup. Mais en tout cas, on va checker vite fait déjà son attaque. Et après, on ira voir les gadgets, les star power, etc. Pour l'attaque, du coup, des ingrédients frais pour les amis, des périmés pour les autres. Alors, ça résume vraiment bien le truc, c'est-à-dire qu'il va mettre des dégâts aux autres et forcément, il va soigner ses amis, voire les faire ressusciter. Soigne les alliés et inflige des dégâts aux ennemis en fonction de leur proximité avec vous. 1800 dégâts, le soin 900, pas mal les gars. Est-ce que c'est pas un cousin de Poco en fin de compte? Vitesse de rechargement normale, portée courte pour son super double ration, un hot dog préparé spécialement pour un allié ou Doug lui-même. Lorsqu'un brawler boosté est vaincu, il réapparaît avec 50% de points de santé après un court délai. Plutôt pas mal ça les copains, a priori. Imaginez-vous, je sais pas, moi tu arrives à lui balancer un hot dog, il est face à la cage, le mec il va pour marquer un but en brawl ball, il meurt, il revient, il marque. Ça peut être plutôt sympa. Il a un skin de débloquable qu'on va s'empresser d'acheter, Draco Doug, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez les copains, le skin il est bien. Moi je trouve la version de base déjà vraiment pas mal. Donc est-ce que c'est le skin qui est... Ouais, je sais pas, vous me direz les gars lequel est le plus beau limite, je trouve que il claque un peu plus comme ça, mais bon. On va tester les deux, de toute façon c'est pas très très important. Pour ce qui est de ces émotes, vous les voyez là, bon c'est pas le plus exceptionnel sur un nouveau brawler. L'essentiel ça va vraiment être de checker ses gadgets du coup. Supplément moutarde pour le premier, la prochaine fois que Doug utilise snack d'attaque, il peut uniquement blesser les ennemis, mais il inflige double de dégâts, c'est pour le deuxième, et pour le premier, la prochaine fois que Doug utilise snack d'attaque, il peut uniquement soigner ses alliés, mais il rend le double de points de vie. Alors forcément, moi qui vais partir en survivant sur la première game, on prend plutôt le deuxième, parce que soigner mes alliés alors que je vais jouer en solo survivant, je pense qu'on s'est compris les copains, ça n'a absolument aucun intérêt. Pour les Star Power, Fast Food le premier, les brawlers ressuscités gagnent de la vitesse de déplacement pendant 3 secondes. Putain, alors déjà je trouve ça hyper cheaté de faire respawn un coéquipier, mais en plus lui augmenter la vitesse pendant 3 secondes, c'est juste n'importe quoi. Et pour le deuxième, Snack d'attaque guérit aussi Doug à hauteur de 20% de la valeur de base. On va plutôt du coup prendre le deuxième pour la game de chauffe les gars, parce que j'ai envie de vous dire qu'on va commencer en survivant solo, famine ou festin. On commence doucement, voir un petit peu si on arrive à prendre un contrôle du mid intéressant ou pas. Allez, c'est parti, c'est un peu le classico, c'est un peu l'habitude cette map, les gars. On s'est rodé pas mal de brawlers dessus, et en général, on est rarement déçus. Alors, on va tester le mid, hein. On va dire que ça passe ou ça casse, mais normalement, avec ce style de brawler, ça peut passer facilement. Vous allez voir, quand je vais mettre le premier tir sur le mid, là, c'est vraiment Jackie Biss, hein, les gars, ça vous parle ou pas? Là, les mecs vont se dire, non mais attends, il joue Jackie, il nous troll le tonton. Pas du tout, frérot, ça ressemble à la même chose. Attends, je vais quand même me le tester. En gros, tu vois, l'onde de choc que je vais mettre, appelle ça comme tu veux, mais dans l'idée, c'est vraiment ce style-là. Ça fait plaisir, on va quand même aller mettre des dégâts aux adversaires. Alors 5 caisses lui, ouais, je pense que ça va mourir ou pas, attention. On va essayer de pas mourir d'entrée. Au prochain coup, j'aurai l'ulti, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La Rosa, j'ai pas du tout vu où elle est partie, mais j'ai dans l'idée qu'elle est pas très très loin. Ok, là j'ai un ulti, les copains. Le gadget, si je le mets du coup celui-là, on a dit que c'était quoi déjà celui-là, les copains? Putain, je suis amnésique, c'est ouf. Je me mets des dégâts? Non, pas du tout. On va en recharger, on va essayer d'aller tirer sur l'adversaire. Attends. Ouais, on n'a pas bien assimilé tous les copains. J'ai l'impression que c'est pas bien. 14 points de santé. Voilà, je pense que...
que clairement on n'est pas passé loin de se faire défoncer. Alors là, bien évidemment, quand tu joues ce brawler, c'est comme quand tu joues Jackie sur cette map, c'est pareil, tu restes au mid. Moi je fais le fou parce qu'on est en vidéo, que j'essaie de vous montrer des trucs que j'arrive pas tellement à vous montrer. Mais dans l'idée, on est d'accord que le but c'est de prendre le mid, la Rosa, on l'a mis low, elle est pas censée me voir là, et là normalement, on est car forcément elle a un ulti, elle est coriace, hein. C'est à peu près le pire adversaire je pense, ça, c'est vraiment le truc qui a 12 milliards de points de santé. Ok, elle recharge un ulti, alors il reste un autre mec, on aura passé 10 minutes sur elle. Ouais, j'active à peu près tout ce que je pouvais. Ok, là j'ai le hot dog. Est-ce que le hot dog réellement il a apparu parce que je suis mort et ça m'a fait respawn les gars ou pas? Est-ce qu'il y en a un qui est capable de me le dire ça? Est-ce qu'il y en a un qui est capable de me dire tout ça? Alors c'est quand même bizarre que tous les brawlers qui sont autour de nous ont 25 millions de points de santé les gars. C'est quand même assez bizarre. Le jeu, est-ce que le jeu me troll? Tac, tac, j'ai le hot dog sur la tête. Et ok, on a réussi à le tuer. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que quand tu tombes sur des brawlers comme Frank, Rosa, Ash, les trucs qui ont 10, 12 000 points de santé quand ils prennent plein de caisses, c'est clair que tes trois petits coups, ça fait un peu de la peine. Mais ça reste quand même super fort. On va se tester en Brawl Ball, voir un peu ce que ça donne. Et on va juste se rechecker les copains. Le gadget, du coup, mon gadget, quand je l'ai activé, ça me disait quoi? Ça me disait qu'il peut uniquement blesser les ennemis, mais il inflige le double de dégâts. Ouais, hyper intéressant, ok. Je vais infliger le double de dégâts sur le gadget, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre. Attends dans un buisson si t'es un peu peureux en survivant. Dès qu'un mec avance, tu mets tes 3 coups, sachant que le premier est dégâts x2. C'est super fort. Et pour le Star Power, il guérit aussi Doug à hauteur de 20%. Voilà, ça m'a pas fait respawn, mais par contre, parce que je suis pas mort en fin de compte, mais ça m'a soigné à hauteur de 20%, ce qui est quand même plutôt super intéressant. Alors j'ai vraiment basé les gadgets et Star Power sur le soin, le fait de soigner le brawler, donc on est un peu un brawler kamikaze. Hein. On va checker ça en Brawl Ball, on est parti. On va se tester un petit milieu de scène en map Brawl Ball, map un peu que ça bourrine sec, on va dire, vu qu'il y a quand même des buissons, il y a pas mal de rencontres avec les adversaires. C'est plutôt pas mal, vous me direz en commentaire les copains, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes chaud à l'idée de le débloquer? Bien évidemment les gars, vous allez me mettre de côté vos boîtes hein, dès maintenant, enfin vos boîtes, vos récompenses, appelez-les comme vous voulez, mais en tout cas, commencez à les mettre de côté, ça pourra servir. On va activer un gadget pour essayer de tuer tout le monde, voilà, on les a mis low, je meurs, mais normalement, Daryl était censé aller aller marquer, normalement, il avait la balle, il était à droite, j'avais dans l'idée qu'en allant tuer les deux à gauche, il puisse quand même avoir un avantage intéressant. Alors là, le Star Power, pour me soigner, ça va être pas mal, on va le mettre maintenant, tac. Ok, est-ce que ça marque ou pas, les copains? Ok, on tire vite fait en même premier but. Ça bourrine quand même pas mal, c'est pas mal. Je vais pas pas vous garantir que ce sera hyper cheaté. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est plutôt correct, les copains. Oh là là, tonton Gale qui tire derrière. Alors attends, j'ai voulu auto-aim le tir et du coup, j'ai fait n'importe quoi. On va régène gentiment et on va essayer d'aller les dépop par là. On fait durer le suspense, les gars. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est plutôt fort quand même. C'est vrai que quand t'as les deux mecs qui restent collés comme ça, alors je suis pas sûr qu'à haut niveau ils restent collés comme ça, les gars, on va pas se voiler la face non plus, mais ça peut être intéressant. Je suis mort, mon petit Daryl, il s'amuse à mettre des dégâts. Ah, j'ai respawn, les gars, énorme, j'ai respawn, les gars. C'est un truc de fou, GG. On va aller checker le ralenti, les gars. On va checker le ralenti, voir ce que ça donne. Allez les copains, on relance une game, on a changé le Star Power, on va essayer de soigner un petit peu tout le monde, vu qu'on est en mode 3v3, on ne va pas passer à côté de l'occasion de pouvoir carry un petit peu, hein, si on leur rajoute des points de santé, normalement, on ne meurt quasiment plus. Alors attends, un gadget activé, dégâts x2, sur les premiers coups là, ça devrait envoyer du lourd. Voilà, ouais, BL s'est fait déchirer, la poli, s'il te plaît, tac, tac, ok, donc là maintenant, je peux balancer des hot dogs, on va en balancer un par là, là. Non mais, putain mais... Il me donne la balle. Tiens, je te donne des... Ouais, je t'ai lancé un hot dog dessus. Oh, le mec, j'ai lancé des... Oh, il a... Vous avez vu, les gars? Il est revenu à lui-même, c'est énorme. On se prend quand même le but, mais on a vu ce qu'on voulait voir. C'est qu'il est mort et il est revenu à lui-même quelques secondes après. C'est vraiment très très fort, en fait. Alors, attends, là, on va quand même aller gagner la game ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut gagner, la passe, s'il te plaît? Non, ça fait pas de passe. La balle, s'il te plaît? C'est des bottes, en même temps. Les gars, c'est des bottes. Est-ce que je peux aller... Oh, c'est fort les copains, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très très fort, je pense, comme brawler. Ah, oh, dégoûté, elle m'a chopé derrière la tête, quoi. Derrière la tête, on va essayer de faire respawn plein de mecs, voir un peu ce que ça donne. On va essayer...
Alors, les copains, qu'est-ce que ça va donner? Ils sont où? On active le dernier gadget là. Le dernier gadget, on va essayer de mettre des dégâts. Allez, faut plus qu'il ait l'immunité. Oh, je l'ai one shot, les gars. Je l'ai carrément one shot, énorme. Énorme, je l'ai one shot, le mec, peu cher. Il a pris le tarif. On est à un partout. Putain, on était mené, j'ai même pas fait attention. On va essayer de recharger un ulti. Ah, tu sais quoi, c'est bon. On a vu ce qu'on voulait voir, les gars. Vous savez quoi? On écourte la game, c'est bon, c'est la souffrance de leur côté. En tout cas, vous avez vu que les petits hot dogs, dès que vous allez le supercharger, vous pouvez le lancer sur qui vous voulez. On a quand même fait 4 kills sur une seule mort, hein, c'est plutôt correct. Alors, il y avait quand même une BA de leur côté qui était éclatée. Elle est morte 5 fois 1 kill, même si c'est un bot, c'était un bot sacrément nul. Voilà les gars, ça va être tout pour cette vidéo, comme je l'ai dit. Et puis écoutez, qu'est-ce que vous pensez de ce brawler? Je le trouve assez fort, même je trouve que c'est une nouvelle façon de jouer. J'aime beaucoup le délire de pouvoir faire réapparaître les collègues et tout, c'est plutôt sympa. Il y aura un travail d'équipe intéressant. À mon avis, c'est quand même un brawler beaucoup plus basé sur le 3v3 que sur du solo ou du duo, à mon avis, les gars. Du duo, pourquoi pas. Et en tout cas, n'oubliez pas que ce skin-là est à gagner. Voilà, ce magnifique skin a gagné, les gars. Donc, si ça vous intéresse, ça se passe en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à exploser les pouces bleus et à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Gros bisous à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.